Avant le milieu du XVIe siècle, toutes les manifestations intellectuelles de l'Espagne sont en effet extérieures à son véritable esprit. Son architecture, ce langage des peuples enfants, est romaine, arabe ou gothique. Et si parfois, à partir du XIIIe siècle, quelques romanceros, quelques chroniques populaires indiquent l'approche de l'éveil, l'influence de l'Italie règne pendant tout le XVe. Et même au début du XVIe, l'Espagne n'a pas trouvé la voie qui doit livrer son être vrai. Vêtue de noir, l'Espagnol du XVIe siècle couvre la croix devant la réforme qui monte. Les cris ardents de Sainte Thérèse, c'est la flamme dernière du catholicisme intégral qui va bientôt se transformer et qui ne peut plus s'opposer à la poussée intérieure du génie propre de la race. Mais la réforme poursuit, dans les pays du Nord, son ascension irrésistible. Sur tous les champs de bataille du monde, l'élan de l'Espagne s'arrête. L'invincible armada est dispersée, les guerres idéales vont devenir des guerres dynastiques. Les Espagnols ne luttent plus que pour garder des provinces lointaines. Leur expansion physique touche à sa fin. Il faut maintenant qu'ils disent à l'Europe pourquoi ils lui ont imposé le respect de leur force, et ils se replient sur eux-mêmes pour y chercher la flamme obscure qui a gouverné leur croissance et la faire éclater au jour. C'est à la fin du XVIe siècle et pendant tout le XVIIe qu'avec Lope de Vega, Tirso de Molina, Cervantes, Calderón, Quevedo, la pensée espagnole va jaillir en floraison brusque. La peinture espagnole ne manifeste aussi qu'après l'effort guerrier la véritable forme de la sensualité ibérique. Comme partout ailleurs, dans la chrétienté, au fond des monastères, les manuscrits sacrés s'étaient couverts d'enluminures où, dès le XIIe et XIIIe siècle, l'influence italienne apparaît nettement. Mais c'est au siècle suivant seulement, alors que la race espagnole commençait à se constituer, qu'à Valence et plus tard en Aragon, en Catalogne, sa conception plastique de la vie essayait de se faire jour chez de nombreux artistes primitifs. Quant à Dominique Théotocopuli, un grec qui venait de Venise, et dont les veines n'avaient pas une goutte de sang ibère, il jette avec Sainte Thérèse le cri de mort du mysticisme. Et ce n'est point la part d'humanité générale où toute race doit atteindre à un moment de son histoire qu'il faut chercher en ces âpres portraits où le granit et l'acier brillent, mais la résistance tenace des derniers ascètes guerriers. À quoi faut-il attribuer cette légère avance de la littérature sur la grande peinture espagnole? La langue plastique, la langue verbale jaillissent pourtant des mêmes sources et traduisent aux mêmes heures par la voix des héros, les forces héroïques dont les foules élémentaires sont obscurément animés. Mais il semble que l'art plastique réclame, pour s'épanouir, une complicité plus immédiate du milieu. Peu d'hommes lisent, peu d'hommes surtout savent lire. Et c'est souvent dans le silence de leur temps que tombent les mots où l'avenir verra la forme de ce temps. Cervantes, habitué des prisons et des bagnes, est mort à peu près misérable. Un chef-d'œuvre se peut
écrire le soir à la chandelle, après la tâche quotidienne qui donne le gîte et le pain. Mais l'œuvre plastique a besoin de la grande clarté du jour. La toile et la statue sollicitent les regards des hommes. Et les hommes qui disposent du pouvoir et de la fortune ouvrent la porte de leur demeure à ceux qui pourront l'embellir et retardent presque toujours de la durée de leur domination et de leur ignorance la venue des artistes neufs. C'est ainsi que Charles Quint, méconnaissant le mouvement qui se préparait en Espagne, s'adressait pour orner ses palais à la gloire consacrée de Titien et que Philippe II faisait décorer l'Escorial par des artistes d'Italie. Mais l'élan d'une race qui veut affirmer son esprit est tout de même irrésistible et doit forcément aboutir. L'heure était venue où des rois humains allaient naître pour s'imposer aux rois divins et les effacer dans l'histoire, sur les territoires d'Occident où l'Espagne avait livré ses plus dures batailles, dans l'explosion de vie qui suit toujours les temps de dévastation et de mort. La nature vengeait les hommes en donnant au monde trois hommes. En Flandre s'éveillait Rubens, et 7 ans avant qu'apparût Rembrandt en Hollande, l'Espagne voyait naître celui qui, avec Cervantes, jette la plus grande lumière sur la nuit embrumée de sang, rayée d'éclairs, d'épées et d'or qu'évoque sa terrible histoire. Velázquez. Il entrait donc à 13 ans dans l'atelier du grand artiste de l'époque, Herrera le Vieux, génie brutal et magnifique, mais maître dur, l'intelligence concentrée, le calme, la volonté patiente et réfléchie du jeune Velázquez ne pouvait s'accommoder longtemps d'une semblable tyrannie. Aussi quittait-il très vite Herrera pour frapper à la porte de Pacheco, artiste et critique érudit, dont la maison était ouverte à tous les esprits distingués que comptait alors la capitale intellectuelle et commerciale de l'Espagne du XVIe siècle. Cervantes l'avait fréquenté, Pablo de Céspedes, Francisco de Rioja, Goncora s'y rencontrait encore. Aucun autre milieu n'eût pu développer plus favorablement l'élégance de son esprit. Pacheco, peintre très médiocre, paraît avoir au moins eu le mérite de deviner son élève et de le respecter. Il fut probablement pour lui le maître type. Il dut s'attacher à découvrir l'être neuf qui s'abandonnait et l'aider à se chercher lui-même bien plus tôt qu'à lui imposer sa propre vision de la vie. Quoi qu'il en soit, il est aussi difficile de découvrir dans les premiers essais de Velázquez la trace de l'enseignement direct de Pacheco, dont l'Italie du XVIe siècle était le guide, que de celui de Herrera. Si Velázquez est loin d'avoir encore soupçonné la loi qui font la vie des formes dans l'espace, il a déjà la nature d'esprit qui lui permettra plus tard de l'exprimer. Cette nature d'esprit, c'est la sincérité. Aucun vestige en lui de cet idéalisme d'école dont l'âme italienne déchue pervertissait alors le monde.
L'artiste applique toutes les forces de sa jeune santé morale à représenter les spectacles qui l'attirent directement. Exemple presque unique dans l'histoire des grands peintres, ce sont les manifestations les plus moyennes de la vie qui l'intéressent tout d'abord. Il débute par où finissent tous les autres, après avoir perdu leur temps à copier leur maître, à s'essouffler aux grandes compositions historiques, mythologiques ou religieuses, jusqu'au jour où la mort viendra. Toutes les conquêtes qu'il fera dans la voie de la nature lui seront révélées par la nature et par lui-même. Il dessine, dessine sans cesse. Il peint des natures mortes, le Bogedon des Espagnols, travaille la figure humaine d'après son jeune esclave mulâtre, Juan de Parera, compose ou plutôt reproduit ses scènes populaires, ses tableaux de vie domestique dont quelques-uns nous sont restés, la vieille femme faisant cuire des œufs, les deux garçons, le vendeur d'eau de Séville, etc. Il va droit à la vie, sans hésiter, entier. Il n'a pas grand effort à faire. Il suit simplement son instinct. Il est déjà conscient des directions où cet instinct l'entraîne. Quand il répond à ceux qui lui reprochent de ne pas obéir à l'exemple de Raphaël, j'aime mieux être le premier dans le vulgaire que le second dans le délicat. Ces tendances exclusivement naturistes, ce sont celles de la plupart des peintres de son temps et de son pays. Herrera le Vieux, Ribera qui grandit, Zurbarán et Alonso Cano, du même âge que Velázquez et qui tous deux travaillent avec lui à l'atelier de Pacheco. Elles ne diffèrent pas dans leur direction essentielle de celle de tous les grands mouvements artistiques dans toutes les contrées du monde. Quand une race est parvenue à ramasser ses énergies pour les projeter en actes au dehors, c'est qu'elle prend conscience des vérités définitives qu'elle détient en elle-même, par la seule raison qu'elle est. À ce moment de son histoire, elle ne pourra s'affirmer qu'en prenant position de son équilibre sensuel, en mettant d'accord sa nature avec la nature prochaine. Tout grand artiste s'efforce vers le vrai, vers le contact étroit de la vérité qu'il constate avec la vérité qu'il porte. Jamais il n'y a, en aucune autre nature, une part louable d'invention. Un grand peintre ne peut mentir et c'est à son degré de sincérité qu'on pourra mesurer son rang dans l'histoire du développement humain. Dans l'œuvre d'art, c'est ce qu'on appelle l'idéal, c'est le sentiment personnel de la réalité. Il est vrai que les langages diffèrent suivant la race et le pays, mais ce sont les mêmes vérités que tous les langages affirment. Si le langage de l'Espagne est le plus bref, le moins orné, c'est que l'Espagne est le moins ornée des pays. L'Espagne est nue, presque sans arbres, presque sans eau. L'homme qui l'habite est grave, il parle peu. Son être intérieur est nu, comme les plateaux dégradés où il a bâti sa demeure, et l'austérité de son sol lui défend d'agir autrement qu'avec une implacable netteté. Velázquez était donc, à cette période du développement de la nationalité espagnole, la personnification nécessaire des énergies latentes qui devaient la manifester. Comme tous les hommes très grands en qui viennent se concentrer vers le sommet de sa croissance, les forces d'expansion de toute race humaine, force éparse jusque-là dans sa durée et dans son étendue, Velázquez est un phénomène ethnique nécessaire. Son être obéit à la loi
qui pousse les peuples adultes à féconder la vie. Mais il n'a découvert encore que des vérités littérales. Il s'attache exclusivement à rendre ce qui est. En dehors des conditions changeantes d'enveloppe atmosphérique et de distance, il analyse, il traite le détail avec une attention méticuleuse. Il ne soupçonne pas encore les sembles, il ne soupçonne pas encore les ensembles. C'est la première expérience du jeune savant qui se défend de l'hypothèse intuitive et soumet au contrôle de ses sens. En dehors de tout parti pris, le fragment de matière qui passe à portée de son œil, les visages, les vêtements, les accessoires surtout, sont d'une vérité prochaine incontestable. Mais le milieu des formes de la vie, les éléments mouvants qui sont découverts les derniers, qu'ils sont la raison même de tous les phénomènes appréciables, l'air, la lumière éparse, le jeune peintre ne les soupçonne pas. Sur des fonds opaques et noirs, dans l'artifice du clair-obscur, des figures émergent modelées avec force, des morceaux secs, sans vibration intime, sans saveur, des natures mortes qui rappellent en mieux, par leur exactitude minutieuse et par leur dureté, ces bodegons de Menéndez, peintre d'ailleurs postérieur à Velázquez, qu'on trouve en si grand nombre au musée de Madrid. Ces toiles affirment son caractère, mais elles ne laissent encore rien deviner de son esprit. Velázquez avait 19 ans, sa droite nature, dont un travail incessant et toujours direct, fixait définitivement l'orientation, avait conquis son entourage, en particulier Pacheco, qui écrit dans son Art de la peinture, livre dont les passages les plus intéressants sont ceux qu'il consacre à son élève. Après 5 ans d'éducation et d'enseignement, je lui donnais la main de ma fille. Incité par ses vertus, sa retenue, ses belles qualités et par les espérances que me faisait concevoir son bon naturel et son grand talent, de cette union, nous ne savons à peu près rien de très précis, sinon que deux filles, Francisca et Ignacia, en acquirent en 1620 et 1621, et qu'elle fut vraisemblablement heureuse si l'on s'en réfère au témoignage de toute la vie du grand peintre, vie calme et digne, sans orage passionnel, tendu à l'invisible effort d'exprimer la réalité. Si son expression est aussi dure que la lueur, nous retrouvons dans le choix du sujet toute l'humanité de son esprit. C'est le Christ chez Marthe, l'adoration des mages, les pèlerins d'Emmaüs, etc. Aucune de ces scènes d'ascétisme et de sang où se contemplait le génie noir de Ribera. Entre-temps, la réputation de Velázquez grandit. En 1622, cédant au conseil de son beau-père, il se décide à partir pour la capitale avec son esclave Parera et obtient d'un ami de Pacheco, l'aumônier du roi Fonseca, une lettre d'introduction pour le ministre Olivares. Mais un déplacement de la cour obligeant les protecteurs de Velázquez à remettre à plus tard sa présentation au palais, il retourne à Séville après avoir exécuté, s'il faut en croire ses biographes, ce vigoureux portrait de Góngora, le chef du cultisme. Le chef du cultisme qu'on voit encore au musée du Prado, visiter les curiosités de Madrid et fait à l'Escorial, Aranjuez et Tolède
les pèlerinages traditionnels. Au milieu de l'année 1623, Velasquez entre donc en qualité de valet de chambre avec 20 ducats, 55 francs d'appointements mensuels au service de Philippe IV, qu'il ne quitta plus et dont il va illustrer le règne au point de l'excuser. Les biographes et les critiques tentent parfois de définir les influences qu'a bien pu subir Velasquez à cette époque de sa vie. Les uns parlent de Herrera, chez qui il ne resta que quelques mois, d'autres de Ribera, dont il n'avait pu voir une seule toile, d'autres de Zurbaran, son camarade, et à peine son aîné. Influence ou parenté, les artistes d'une même race obéissent à peu près tous aux mêmes lois irrésistibles que le sang des ancêtres et la constitution du sol ont imposées à leur nature. Mais à partir du tronc commun, les différences s'accentuent chez tous ceux qui portent en eux des éléments particuliers d'interprétation de la vie. Velázquez, à ce moment-là, ne se montrait guère personnel que dans le choix de ses sujets et la franchise imperturbable qu'il apportait à les traiter. Mais l'émancipation de sa technique ne pouvait précéder celle de son esprit. À 24 ans, il était presque en possession de ce que les peintres appellent le métier, de la faculté d'écrire une page sans faute, de rendre la matière et la couleur des choses dans leur réalité étroite et littérale. Il allait pendant quelques années produire des toiles si profondément éloignées des œuvres de sa maturité qu'elles semblent à peine émaner du même homme. C'est ce qu'on a appelé sa première manière. C'est ce qu'on a appelé sa première manière. C'est en réalité sa dernière et seule manière, car à mesure qu'il avancera dans la vie, on le verra se préoccuper de plus en plus d'exprimer la nature, de moins en moins de la façon de l'exprimer.